On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto spécial Halloween. On va réaliser des petits chapeaux de sorcière. Donc vous aurez besoin du gabarit des chapeaux. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo dans la description de la vidéo. Donc, vous aurez un lien pour imprimer. Il vous faudra donc du papier cartonné. Donc moi aussi j'ai utilisé du noir. Il vous faudra donc évidemment une paire de ciseaux, des rubans pour décorer les chapeaux. De la colle. Et donc j'ai utilisé des perforatrices, donc là c'est perforatrice classique rond et là c'est une perforatrice petite étoile. Vous aurez également besoin donc, de bougies chauffe-plat LED, donc évidemment pas de vraies bougies comme on utilise du papier. Donc pour commencer vous allez donc pouvoir reporter le gabarit des chapeaux donc, sur votre papier cartonné noir. Vous voyez donc aussi pour la légende, donc tout ce qui est très plein, ça sera coupé. Et tous les traits, donc avec hachure, ça sera là où vous allez plier. Après, n'hésitez pas à modifier la taille. Hein. Là, vous avez une idée des tailles moi, que j'ai utilisées, mais vous pouvez faire plus petit ou plus grand selon votre envie. Donc là, j'ai tout reporté sur mon papier cartonné et je vais passer donc au découpage. Voilà, j'ai découpé les différents éléments de mes chapeaux. Donc là, je vais marquer les plis. Donc j'utilise moi une règle et un plioir. C'est un petit outil qu'on trouve normalement dans pas mal de magasins de loisirs créatifs. Donc ça permet de bien marquer les plis. Mais c'est pas indispensable. Maintenant pouvoir réaliser donc les perforations dans les chapeaux donc à l'aide moi là c'est des perforatrices pinces on va dire. Après vous pouvez aussi très bien utiliser un cutter ou avec les ciseaux pour faire des encoches. Le tout c'est d'en faire un peu partout sur le chapeau pour pouvoir laisser passer la lumière de la bougie. On va passer maintenant au montage des chapeaux. Donc on va venir en coller la petite languette. Et donc on va former le cône qui va permettre donc de former le haut du chapeau de sorcière. Vous allez maintenant pouvoir venir pour voir ce que ça donne mettre votre petite bougie. Donc, vous voyez, on devine la lumière juste en dessous. Et là, on va venir donc décorer les chapeaux de sorcière avec les petits rubans. Donc, vous allez venir tout simplement en fait coller le ruban à la base du chapeau. Thank you.
terminé, vous n'avez plus qu'à placer la bougie LED en dessous. Et c'est terminé. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto spécial Halloween. À bientôt !